Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Heart. On est toujours avec Wake et on a été missionné par la sorcière verte de sauver les bois sombres. Rien que ça, on va essayer déjà de retrouver notre ami Kirby, puisque Wake espère de tout cœur retrouver son ami Kirby, avec qui il avait rendez-vous dans la forêt. Et... Eh ben on va tout de suite aller voir ce qu'il est possible de faire en jeu. Donc j'ai sauvegardé et fait dodo. On a ici notre foyer des farfelins. J'ai pris une augmentation, ce qui me permet d'avoir un peu plus. Et j'ai fait éclore quelques pépins. Ce qui fait que on va avoir 5 farfelins. 5 brésilins. Et 11 du coup Ramilan. Du coup je pourrais en faire éclore d'autres. Je peux faire éclore que des Ramilan. Je vais faire un éclore 10. Ça devrait. Je les ai pas retirés, zut. J'ai oublié de valider. Voilà, tout ça. Ça devrait nous arriver. Donc le chat qu'on a sauvé est ici. Et nous, on va surtout se dépêcher parce que pendant que je papote, eh ben, le jour se lève et la journée avance. Je devrais peut-être même papoter pendant la nuit. Plutôt. Donc, on a dit qu'on avait des brésilins. Et qu'avec mon brésilin, on va pouvoir... Déjà, je prends le farfelin pour... C'est pas assez proche. Les ramilins, ils vont faire ça. Est-ce que je trouve... Ouais, je trouve que des pépins de ramilin ici, ce qui est très logique. Alors, est-ce que ce buisson bouge toujours? Oui, ce buisson bouge toujours, c'est donc toujours une bestiole. Allez les gars, on y va. Z trop fort, merci. Alors, on va les séparer par groupe. Et moi, je veux ce groupe-là. Et normalement, ils devraient pouvoir. Vous pouvez pas? Ah, il m'en faut 5 et j'en ai pas 5. Si, j'en ai pile poil 5. Ok, il faut que je les jette sur la même. Voilà. On brûle tout ça. On récupère tout le monde. Bien, vous êtes tous là, les copains. 25 sur 25. Il m'en faut 15. Alors, comment je fais pour switcher d'un type à l'autre? J'en ai à peu près aucune idée. Je prends cela. 15, comme ça. Après que j'ai pas pensé à regarder c'était quoi le raccourci pour changer entre les deux. C'est pas une très bonne idée. Voilà. Donc ils vont trimballer la caravane. Nous, on va continuer d'explorer un peu. On va voir ce qu'on peut faire. Ramasser des ressources et essayer d'avoir plus de farfelins. Plus. Et avant de faire ça, on fait ça. Voilà. Prendre du miel, on a vu que le miel c'était utile. J'imagine que du coup les crapauds aussi ont peut-être popé. Les blobs. Attends pour moi. Est-ce qu'à 9 on a la force de buter un blob? J'en suis pas certain, mais on va essayer. Visiblement, on est toujours 9, donc ça s'est bien passé. Finalement, vous la ramenez par là, la caravane. Vous avez fait tout le tour par où avec votre caravane, les gars?
préfère pas savoir. Ah, cool. Ah. Des petits pépins de Ramilin. Ah bah oui, vous êtes coincés. Bien sûr que vous êtes coincés, les gars. Ah là là. Mettez-le-moi avant qu'il m'en mange. J'en ai plus que 24. Comment ça se fait? Ouais, normalement, ils sont quand même là. Ah non, bah j'ai dû en avoir un qui a dû mourir, tout simplement. Non, c'était... Ah, dommage. Le blob a fait son office. Ah, et en plus, il m'a tué un... Non, c'est bon, il m'a tué un Ramilin. On va pas dire que c'est pas grave, mais... C'est un peu moins grave. Ici, il faut 35. On n'a pas encore une limite de 35, on a une limite de 25. Seulement, accompagner un peu. Taper dessus, hein. Moi je fais quasi rien comme dégage. Merci. Voilà, ça y est, ils ont emmené la caravane. On va voir Grimanteau ou Tateferraille qui va nous dire merci. Tête ferraille. Hurrah! Ce pouce-pouce robuste est exactement ce qu'il me faut pour la nouvelle bonne trouvaille. Venez me voir quand vous aurez le temps et nous finirons ce musée. Pendant ce temps, continuez de m'envoyer tout ce que vous trouvez d'intéressant pour ma collection. Je les exposerai dès que nous aurons ouvert. Ça, c'est top top. On récupère tout ce petit monde. Et on traîne pas plus. Il est déjà midi. Et on a quasi pas avancé par rapport à hier. On a ramené la caravane, c'est déjà super intéressant. Donc ici, est-ce que les Brésiliens peuvent faire des choses contre ça? Je lance dessus peut-être. On peut rien faire. Ok. Là, il y a une. Ok, je vais encore les séparer histoire d'être sûr de prendre des Brésiliens. Pendant ce temps-là, on va piquer un petit peu de ressources là. Magie, et vous revenez aussi vite que possible. C'est parfait, les gars. Non, j'ai besoin de vous. Ah, du coup, toi, tu vas être... Voilà. Toi, t'étais un peu inutile, mais c'est pas grave. Toi, tu restes pas là. On récupère tout le monde. On va, avant tout, affronter tous ces... champignons. Sinon, on a perdu personne. Et... ils vont pouvoir gérer ça. Ils vont pouvoir gérer ça également. Est-ce que les petits Brésiliens peuvent nous aider? Il doit nous manquer encore un petit peu. Zut! Restez en groupe, mes petits gars. Ouais, vous pouvez faire ça. Moi, je vais pas trop m'approcher, par contre. C'est parfait. On fait pareil là. Si on a fait le tour, je préférerais avoir du chemin un peu dégagé. Mon sac est plein. Mon sac est plein. Non. Mon sac est plein. Ah, il l'a pas lâché. J'aurais préféré que ce soit Ramilin qui prenne ça, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ce qu'il faut, il est encore midi, on a encore le temps. Il y a des limites de farfelin. Ok, le nouveau farfelin a été envoyé au puits spirituel, c'est parfait.
Par contre, tu me dis toujours que je suis à 24 sur 25, ça veut dire que j'en ai réellement oublié un quelque part? Je suis pas allé par là, donc... Comment t'as fait pour te paumer par là, mon gars? Ils ont dû vouloir passer par là. Ouais, j'en ai un qui s'est paumé. Faudra que j'aille le chercher. Mon sac est plein. Qu'est-ce qu'il nous dit le panneau? Info numéro 3 sur la gourde à pépins. Il semble que le type de pépin provenant d'une gourde dépendra fortement du type de farfelin qui la touchera. D'après Grimanteau, nous sommes hors budget pour ça, alors je n'ai plus besoin d'en faire. Quel soulagement. Ok, donc ça va dépendre du type de farfelin. Ok, donc. On va essayer de faire en sorte d'avoir des... Miramilin, et bien évidemment, les Brésiliens, ils sont complètement... J'en ai pas un qui serait... Ouais, là, c'est un peu relou. C'est un peu relou, un peu relou. Je peux les séparer en deux types. Ouais, ceux-là sont libres. Ah, il va m'en falloir 5 à tous les coups. Ah, il m'en faut 5. J'en ai pas 5. Je vous récupère. Tant pis, les gars. On récupère cette petite pomme. Que je peux prendre. Ah. J'ai touché le bidule, bien évidemment. Tout va bien. On va récupérer tout ce petit monde. C'est déjà la nuit qui tombe. On va essayer de récupérer celui qu'on a du coup laissé en bas. Donc il s'est paumé où? Où est-ce qu'il s'est paumé, ce petit malin? Il s'est paumé là, voilà. Le coffre, je peux toujours pas, je pense, le toucher. On va aller en ville. Et on va essayer d'avoir des Brésiliens plus que des Ramilins. La nuit tombe. Ça passe très vite une nuit, c'est assez impressionnant. Enfin une journée surtout. Voilà. Bon, parfait, il ramène toutes les ressources. On peut peut-être même fabriquer des choses. Avec des fragments de fièvre. Je peux faire un repas percutant. J'ai un peu peur. Octroie des coups de pied plus puissants. Ah, c'est cool quand même. Des coups de pied plus puissants. Ok, donc c'est la même chose pour là. C'est la même chose pour là. Et si je fais ça, un mélange féroce. Un tonique puissant octroie une vigueur accrue au farfelin dans la zone d'action. C'est vrai que je pense pas utiliser les toniques. D'ailleurs, mon propre sac est plein, donc mon propre sac, on va le vider. Il est un peu trop. Voilà. Ouais, mon carton commence à être plein. C'est vrai que je pense pas à prendre les toniques. Il faudrait peut-être. Même si l'inventaire se retrouve assez vite plein, on va discuter avec Tête Ferraille pour pouvoir faire ça. La bonne trouvaille. Pour pouvoir construire le musée. Quelle magnifique journée, la bonne trouvaille à de nouveaux objets exposés grâce à vous et votre équipe de farfelins. On a droit à une récompense. J'aimerais bien les dépenser par contre, mes thunes à un moment. Je peux...
Ok, je peux regarder. Donc là, il y a la lame forestière que j'ai trouvée dernière fois. Ok. Et ça s'est rebouché. Donc on est plutôt pas mal. Il y a encore des objets qui nous manquent, bien évidemment. Mais c'est pas mal. Alors du coup, je voudrais moins de cela. Pour avoir plus de cela. Comme ça. Et comme on est la nuit, bah tout simplement, on va se reposer. On va dormir. On sauvegarde. Et on va faire une nouvelle journée. Bien évidemment, j'ai managé mes farfelins alors qu'ils vont tous se coucher. Je peux être bon pour refaire ça ce matin. Alors, off. Je veux retirer des farfelins. Donc on a dit le maximum. Comme ça. Et tout le reste comme ça. C'est parfait. J'aurais peut-être pu me TP. Je sais pas ce qui est le plus rentable en fait. Sachant que là, le crapaud revient, donc on peut retaper sur le crapaud. Allez, sur le crapaud, les gars! Allez les gars! On n'a perdu personne. Et on a un autre crapaud. Allez les gars! Perdu un petit peu de cœur. Un peu de matériaux, ça le fait toujours. Du coup, le blob va avoir repoussé, j'imagine. On va essayer de l'éviter. Ici, du coup, on a dit si on fait toucher, pas forcément celle-ci, qui donne juste des petites billes. Les ennemis, donc non, on va utiliser tout le monde. Allez les gars, on y va. C'est parfait. Alors, je prends juste cela. Parfait, ils sont pas venus. Vous avez besoin de me casser ça. C'est bien ça, effectivement. Pouvoir avoir des petits pépins. Non! Je voulais pas lire, je voulais récupérer mon loot. Voilà. C'est parfait. Donc, on a dit. On fait brûler ça. Et on transporte ça. Et il n'y a pas d'objet caché. Par contre, on peut pas aller par là. On peut pouvoir aller par là d'une manière ou d'une autre. Je sais pas trop comment. Il a l'air d'avoir un petit moyen de monter par là. Que j'aurais peut-être pas vu, ou peut-être qu'il était bloqué. J'ai pas pris ça, c'est pas bien. On récupère ça, on récupère ça, et on récupère cela. On en profite pour faire ça, histoire de débloquer le passage. Et du coup. Ouais, il nous manque quelque chose pour aller par là.
Là, comme ça, je ne vois pas. Il va falloir sans doute arriver par l'autre côté. Alors, un petit panneau qui nous dit... On peut prendre l'ascenseur. Bah oui, alors, prenons l'ascenseur. On est encore le matin, on a encore du temps. On va prendre l'ascenseur, je sais pas du tout où ça va. Avec un peu de chance, il y aura un téléporteur de l'autre côté. Ça va au champ givré. Ok. Oh, punaise. Il m'a tout glacé, mes farfelins. Je les déglace comment, mes farfelins? Ah, ils sont auto-déglacés. J'ai eu peur, les gars, j'ai eu peur. Il faudra peut-être que je mange un petit truc aussi. Mon sac est plein. Chance. On va les séparer pour obtenir cela. C'est parfait. On récupère un petit peu ici, un petit peu là, et j'en vois un qui glandouille. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout essayé, par exemple. Est-ce que vous pouvez dégeler ces choses-là? Non, vous pouvez pas. Ok. Donc on récupère tout le monde. Ah! Jumeau étrange. Ce n'est pas stupide, c'est du talent. J'ai du talent et pas tout. Non, non, tout le monde s'en moque. En vérité, ils détestent tous. Ils sont juste trop gênés pour oser te le dire. C'est pas vrai, retire ça. Salut? Vous là-bas, parfait, c'est stupide, n'est-ce pas? Dites-moi que c'est stupide. Qu'est-ce qui est stupide? Tu vois, c'est tellement stupide que ce petit crétin ne sait même pas ce que c'est. Waouh. Elle est juste jalouse. Non, c'est juste que je vois pas l'intérêt de perdre mon temps à partir... De perdre mon temps à quelque chose d'aussi nul que... Tu es en train de parler? Tais-toi! Qu'est-ce qui est si stupide ou pas stupide? Pourquoi vous le dire quand je peux... Oh non, c'est parti. Vous le montrez. Admirez mes talents! Waouh. Arg! Alors, qu'en dites-vous? Non, mais oui, c'est très stupide, hein, je... Oh non! Tu vois, je te l'avais dit, tellement stupide. Psst, jalousie. Attendez, vous êtes qui, tous les deux? Oh, il a parlé de jumeaux. Vous êtes deux Vergardes? Une minute, comment vous le savez? Qui vous envoie? Grimanteau, je m'appelle Wake. C'est Grimanteau qui vous envoie? Alors, laissez-nous nous présenter. Je suis Danse, et voici... Dis-le! Dis ton nom! Soupir, je suis Danse pas. Ah, elle déteste le dire. Bien, Grimanteau m'a demandé de vous dire à tous les deux que vos talents sont requis au bosquet. Une minute. Vraiment? Oui, on va enfin quitter cette satanée banquise! Hé, mou du cerveau, n'oublie pas quelque chose, là? Quelque chose d'important. Non, non, je sais toujours danser. Ah ça, le truc, tu sais, le truc qu'on a perdu. Oh, ouais, il va être furax. Bon, on fera avec. Très bien, le nouveau. Nous retournons au bosquet. Retrouvez-nous là-bas si vous avez besoin de nous. Oh, et désolé de vous avoir traité de petit crétin. Ok, ils sont partis. Je vais peut-être juste manger un coup parce que je vois une espèce de truc qui a l'air d'être un oiseau. Et ben, on va peut-être goûter notre sandwich aux champignons, là, avec ce cœur vert qui m'intrigue. Ok, du coup, il m'a donné un cœur vert, effectivement. Peut-être un bouclier. C'est pas de la régène, en tout cas.
On va trouver une page du livre, ça c'est cool. Ouah, c'était pas un vrai coffre. Salaud. C'était pas un vrai coffre. Et on a trouvé de la résine de cœur racine. C'est parfait. Et notre sac est plein, bien évidemment. J'ai un peu l'impression que c'est la constance dans ce jeu. Notre sac est vite plein. Alors, par là, qu'est-ce qu'on a? On a ce putain de truc qui nous attaque. On a réussi à le mettre au sol. Et on a peut-être des espèces de moufles. Ok. Alors, est-ce que je peux mettre des farfelins normaux? Non. Ils sont bleus. Visiblement, il va falloir des farfelins. Est-ce que je peux, du coup, mettre cela? Pas plus. Est-ce qu'ils peuvent me casser ce... Non. Ils peuvent pas me casser ça. Donc, on récupère. Monde, on est encore au plein cœur de la journée. J'ai un peu l'impression que les ramilins vont me servir seulement à. Porter. Par contre, ça c'est un peu ballot. Ok, c'est carrément ballot. Et oui, moi ça me fait des dégâts, c'est bien ce que je craignais. J'ai l'impression qu'il va me manquer quelqu'un ou quelque chose. Est-ce que je peux passer sur cette banquise? Non plus. J'ai laissé un petit peu de loot ici. Et de ce côté-là, je peux traverser. Je peux traverser, je peux pas traverser. Je n'ai pas l'air d'avoir le pouvoir pour traverser. Et eux non plus. Ok, je suis peut-être pas tout à fait prêt pour le Grand Nord. Bon, je vais prendre l'ascenseur. Mais au moins, on a trouvé les jumeaux. Ils vont revenir tout simplement en ville, au bosquet. On a vu qu'il y avait visiblement une zone qu'on a un peu de mal à atteindre sur ce côté-là, qu'on va pouvoir atteindre sur ce côté-là, qu'on va pouvoir atteindre en faisant le tour, donc sûrement par là, hein, je suis pas allé par là. On va éviter soigneusement cette petite cochonnerie. On récupère de la poubelle. Donc par ici, je suis déjà venu. Et on peut pas faire le tour. Ok, d'ailleurs, je passe à côté, je prends même pas la ferraille. Voilà. Ouais, donc j'ai pas ce qu'il faut pour pouvoir grimper, visiblement, faire le tour par là. Je dirais bien un peu frustrant, mais on va faire avec. Ici, on n'a pas pris ça. On va demander à un copain de le prendre. On a de nouveau des poubelles, encore et toujours. Décidément, ce monde est rempli de poubelles.
C'est un peu frustrant. Je peux faire ça. Je peux prendre. Je peux toujours pas le toucher. Je peux toujours pas le toucher. Ici, on a des poubelles. C'est plutôt cool. Et ici, on a 20. Ouais. Alors, par contre, il va peut-être falloir que tout le monde pose ses affaires. Voilà. D'ailleurs, je suis complètement à 22 là. Cette passe, c'est où les gars? Il y en a qui sont morts, on en a perdu en route. J'ai même pas vu où est-ce que l'ascenseur nous avait emmené. Est-ce que je peux désolé, l'ascenseur tu nous emmener là. Ouais, j'en ai trois qui sont restés là. J'en ai trois qui sont restés en haut, pas de chance. Tant pis. Vous prenez les ressources. Allez les gars, on prend les ressources, le chomp-chomp, le machin. Et punaise, c'est la nuit. J'ai complètement merdé. On est la nuit. Oh là là. Je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir. Pourtant, je sais qu'il faut surveiller l'heure. Et j'ai laissé trois farfelins dehors alors qu'on est la nuit. Je sais pas du tout ce qui va leur arriver. Du coup, on va rappeler les farfelins actifs ici. Normalement, ça fonctionne. Bah ben voilà, visiblement j'en perds pas. Il y a dû voir. Quelque chose. Ouais, j'en ai que 22. Ils doivent être. Ben, il n'y a plus leur icône. Donc soit ils sont morts, soit. Tant pis pour nous. On a un peu loupé, donc on se retrouve avec danse et danse pas. Ouais, on est de retour, pas la peine d'applaudir, merci. Je ferai ce que je peux, ok. Et lui, il nous dit. Ok, si je parle à lui, ça fait. Ok. On va tout mettre dans. Le carton. Et je pense qu'on va sauvegarder, dormir et arrêter cet épisode là. On a un petit peu foiré, j'avais pas vu que les farfelins étaient restés sur place. Du coup, on en a trois qui ont disparu. Mais en tout cas, on est sain et sauf à la maison. Et c'est une bonne chose. On a un peu exploré, ce qui est aussi pas mal. On a trouvé danse et danse pas. On va voir ce qu'on peut faire avec eux. Et en tout cas, on verra ça lors du prochain épisode. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis bye bye!